Alors merci Olivier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Pierre-Yves et le Cercle Aristote pour son invitation. Et puis je vous remercie aussi tous d'être ici ce soir pour un sujet aussi, a priori, aussi rébarbatif que la statistique. Rébarbatif, mais néanmoins, je crois, extrêmement important. Alors, dans mon travail, je suis parti d'un compte qui... Bon, j'ai mis des années à travailler la question jusqu'à l'ouvrage qui a fini par en sortir. Bon, j'ai pensé d'ailleurs à un moment qui n'arriverait jamais à terme. Je suis parti d'un constat extrêmement simple qui est celui de l'omniprésence de la statistique dans le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes abreuvés absolument à jet continu de données statistiques, ça n'arrête absolument pas. Et puis nous sommes même dans une société qui est organisée pour produire de la statistique, puisqu'on a même des organismes officiels, par exemple comme l'INSEE, qui est là pour produire de la statistique. Et puis autour de l'INSEE, il y a des tas d'officines et des tas d'organismes qui sont là aussi toujours pour... nous fournir ces grandeurs statistiques. Un fait aussi qui est extrêmement significatif, c'est le traité de Maastricht au début des années 1990. Pour la première fois dans l'histoire, les États se sont liés entre eux par traité autour de grandeurs statistiques. Je vous le rappelle, alors je suis obligé de consulter mon papier parce que je veux dire que ça me, quand j'essaye de l'apprendre, ça, je l'oublie immédiatement. Donc, d'après le traité de Maastricht, pour chaque État de l'Union, le taux d'inflation ne doit pas excéder de plus de 1,5% celui des trois pays membres ayant les plus faibles taux d'inflation. Le déficit budgétaire doit demeurer inférieur à 3% du PIB et l'endettement public à 60% du PIB. Donc en fait, PIB, taux d'inflation, voyez, on est immédiatement dans des grandeurs statistiques. Et donc c'est vraiment pour la première fois, on a des traités internationaux entre des liens, une union entre États qui se fait autour de grandeurs statistiques. Bon, ça c'est, on pourrait dire, au niveau de la macro-politique. Et puis de l'autre côté, on a ce qui se développe aujourd'hui, c'est le quantified self. C'est la manière d'utiliser son smartphone et les applis qui vont avec pour quantifier toutes ses activités. Le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, le nombre de calories qu'on a absorbées, enfin bon, etc., son taux de cholestérol ou que sais-je. Et donc, en fait, on voit qu'entre l'individu le plus particulier et puis la macro-politique, eh bien, on est abreuvé de tout tourne autour de grandeurs statistiques. Alors, souvent, cette omniprésence des données statistiques est ressentie comme un fardeau. Mais en même temps, on ne sait absolument pas s'en défaire. Et à vrai dire, on n'est pas très sûr que ce soit vraiment possible de s'en défaire, tant le règne statistique est intimement lié à la nature et au fonctionnement de nos sociétés. Et alors justement, il m'a paru d'autant plus intéressant de s'intéresser sur la provenance de ce règne de la statistique, parce qu'il me semble que c'est en posant cette question-là qu'on peut essayer d'éventuellement... retrouver quelques libertés par rapport à cette fatalité statistique qui pèse sur nous. Alors quand on regarde historiquement comment les choses se sont passées, on s'aperçoit que la statistique a connu une accélération décisive à un moment précis de l'histoire, qui est la première moitié du 19e siècle. C'est vraiment au cours de la première moitié du 19e siècle que la statistique telle que nous la connaissons aujourd'hui se met en place. Jan Hacking, un grand historien et philosophe des sciences, a défini la période qui s'ouvre après 1820, entre 1820 et 1850, comme la période où une véritable avalanche de nombres imprimés déferle sur l'Europe. Alors comment expliquer le phénomène? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là pour que la statistique prenne une telle place? Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, elle prend encore plus de place qu'au 19e siècle. Mais en fait, pourquoi elle prend plus de place? Parce que simplement, aujourd'hui, on a davantage de moyens pour collecter les informations, en particulier aujourd'hui avec Internet. Mais l'esprit statistique, la volonté statistique, le désir de tout contrôler par des statistiques, en fait, il ne date pas d'hier, il date, encore une fois, du 19e siècle. Alors,
La première idée qui vient à l'esprit aujourd'hui quand on essaye de comprendre pourquoi on a une telle appétence pour les statistiques, c'est que la statistique, comme aujourd'hui c'est une branche des mathématiques, eh bien on a l'impression que le recours aux statistiques quantitatives dans le domaine humain, ça n'est qu'une extension de l'esprit scientifique dans le traitement des affaires humaines. Mais en fait, quand on regarde un peu historiquement comment les choses se sont passées, eh bien on s'aperçoit que cette explication n'est pas bonne. Certes, Galilée, dès le début du XVIIe siècle, avait donné comme idéal à la science moderne la mathématisation. C'est la grande phrase de Galilée, le livre de la nature est écrit en langue mathématique. Donc du coup, la science moderne, qu'est-ce que c'est d'après Galilée? C'est de mettre au jour les structures mathématiques du réel. Certes, mais en fait, quand on regarde de plus près les phrases de Galilée, pour lui, mathématiser, ça voulait dire géométriser. C'était pas quantifier, c'était géométriser. Et d'ailleurs, en fait, à l'époque de Galilée, la quantification était extrêmement difficile parce que simplement, on n'avait pas d'instrument de mesure précis. Quand que Galilée devait mesurer des temps, rendez-vous compte qu'il comptait les temps avec ses pulsations cardiaques. Il n'avait pas de chronomètre. La précision numérique à l'époque, elle était quasi inexistante, sauf peut-être un peu en astronomie et en optique. Mais sinon, pour la plupart des investigations scientifiques, encore une fois, la précision numérique faisait défaut. Et c'est seulement, à vrai dire, au XIXe siècle que l'idéal de la précision quantitative en science a vraiment pris corps. Donc en fait, cet idéal de précision quantitative en science... Enfin, on ne peut pas faire de la statistique quantitative un dérivé de cette précision quantitative en science, dans la mesure où, en fait, l'essor statistique en fait, est venu en même temps, voire même encore avant, ce développement quantitatif en science. Et puis, par ailleurs, quand on regarde vraiment aussi pratiquement comment les choses se sont passées, eh bien, on a commencé à faire de la statistique dans les affaires humaines, et ce n'est que tardivement que les scientifiques se sont rendus compte que les méthodes statistiques qui avaient été développées dans le champ social pouvaient avoir quelque utilité en science, s'en sont emparés, et à partir du moment où les scientifiques s'en sont emparés, les mathématiciens sont venus derrière pour théoriser les choses de manière plus propre, et à ce moment-là, la statistique a pu devenir une discipline mathématique. Mais en fait, la statistique a commencé dans le social, elle est passée ensuite dans les sciences de la nature, et dans un troisième temps, elle est arrivée aux mathématiques. Alors évidemment, une fois que les mathématiciens s'en sont emparés, ils ont élaboré de nouvelles méthodes de traitement des données qui sont revenues ensuite vers le monde humain. Mais il n'empêche que la statistique a commencé dans le monde humain. D'ailleurs, quand on réfléchit au terme statistique, statistique, ça vient de status, qui en latin veut dire état. Et donc, en fait, la statistique, ça a commencé justement, on voit bien, dans le domaine de la gestion, on pourrait dire, de l'état. De l'état moderne. Mais alors la question, si on dit que la statistique ça n'est pas un dérivé de l'esprit scientifique, la question demeure, qu'est-ce qui a nourri l'avidité de l'Europe pour les statistiques quantitatives à l'époque moderne? Et encore une fois, la question me semble n'a rien d'anecdotique étant donné le rôle joué aujourd'hui par la statistique dans nos sociétés. On pourrait dire que la statistique est devenue un fait social total, au sens que Marcel Mauss donnait au terme, c'est-à-dire que ça concerne la totalité de la société et de ses institutions, et affecte de manière indirecte ou directe la vie sociale sous tous ses aspects. Alors pour tenter de répondre à la question, j'ai eu un guide, à vrai dire, c'est une citation d'Émile Durkheim et Marcel Mauss, au tout début du XXe siècle. Et voilà ce que disent Durkheim et Mauss. Ils disent « Les premières catégories logiques ont été des catégories sociales. Les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces classes ont été intégrées. C'est parce que les hommes étaient groupés et se pensaient sous forme de groupe qu'ils ont groupé idéalement les autres êtres. Et les deux modes de groupement ont commencé par se confondre au point d'être indistincts. » Bon, le sens que je retiens de cette affirmation de Durkheim et Mauss, qui me semble tout à fait juste, c'est qu'en fait, on a l'impression, si vous voulez, que le monde humain, c'est un cas particulier du monde en général. Mais en réalité, les catégories mentales que nous utilisons pour penser le monde en général, on trouve leur origine à l'intérieur du monde social. C'est ce que disent Durkheim et Mauss, les premières catégories se sont forgées à l'intérieur
de la société, et ensuite ont été projetés sur le monde, et y compris les scientifiques ont eu une pensée qui a été forgée, qui a repris les catégories qui s'étaient formées dans le social. Pour vous rendre compte de la façon dont les hommes projettent le social sur le monde, dans une langue comme le français, il n'est que de réfléchir au fait que tous les substantifs sont soit masculins, soit féminins. C'est un fauteuil et une chaise. Bon, vous pouvez regarder pendant l'éternité un fauteuil ou une chaise, vous n'arriverez pas juste en regardant le fauteuil ou la chaise de voir que l'un est féminin et que l'autre doit être masculin. Et d'où vient cette répartition de tous les substantifs en français entre féminin et masculin? Évidemment, du fait que les sociétés archaïques, le premier partage qu'il y avait à l'intérieur des sociétés archaïques, c'était que d'un côté il y avait les hommes et de l'autre côté il y avait les femmes. Et donc c'est parce que c'était la différence la plus structurante dans le monde humain, c'était la différence entre les hommes et les femmes, que cette différence a été projetée sur le monde et que tous les objets se sont retrouvés affectés, placés du côté féminin ou du côté masculin. Alors évidemment, avec le temps et avec le développement culturel, les liens entre les catégories sociales et la façon dont nous appréhendons le monde, en général, sont devenus beaucoup plus complexes. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils ont disparu. Et l'hypothèse de départ, l'hypothèse dont je suis parti, c'est l'idée que si la statistique a pris autant d'importance dans notre monde contemporain, c'est que cela traduit un changement des rapports que nous entretenons les uns avec les autres dans la manière dont les sociétés humaines se structurent et fonctionnent. Alors, j'ai donc cherché l'origine de la statistique dans une mutation qu'il y aurait eu à l'époque moderne et qui aurait véritablement pris consistance au XIXe siècle dans les manières que nous avons de faire société les uns avec les autres. J'ai lié l'avènement, le développement absolument extraordinaire de la statistique à un grand événement de la modernité qui est l'avènement des grandes sociétés d'individus. Alors là, je suis obligé de m'arrêter un instant sur le mot « individu » parce que, quand on y réfléchit, c'est un mot qui, en réfléchissant sur ce mot, on tire beaucoup de choses. Alors le mot « individu », alors il faut toujours faire attention au fait, on pourrait se dire « oui, mais bon, ça, tout ça, ce que je dis, c'est valable que pour le français ». Non, parce que le mot « individu », on le retrouve dans toutes les langues européennes modernes, c'est « individual » en anglais, « individuum » en allemand, « individuo » en italien, en espagnol, en portugais, etc. Ce mot existe et a pris une énorme importance dans toutes ces langues européennes. En fait, l'individu, le terme français aujourd'hui, vient du latin, individuum, et individuum en latin, c'est la manière qu'ont eu les Romains de traduire dans leur langue le mot grec atomos. Qu'est-ce que c'est qu'un atomos en grec? C'est ce qui ne se coupe pas. Donc atomos, ça ne se coupe pas. Individu, c'est ce qui est indivisible, ce qu'on ne peut pas couper. Et alors là, quand on se rend compte de ça, on se dit, mais quand même, quelle drôle d'idée de qualifier un être humain d'individu. Bon, sans doute, effectivement, les êtres humains, bon, quand on les coupe en deux, ça se passe pas très bien pour eux, certes. Mais enfin, bon, pourquoi choisir cette caractéristique? C'est vraiment très curieux. Et en fait, pendant longtemps, il faut voir que l'individu a été conçu comme le résultat auquel on arrivait après une succession de divisions. Donc, si vous voulez, on retrouve encore ça en biologie aujourd'hui. En biologie, on a les genres, puis à l'intérieur des genres, on a les espèces, puis à l'intérieur des espèces, on a les variétés, puis à l'intérieur des variétés, on a les sous-variétés, et puis au bout d'un moment, on s'arrête à l'individu, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un être singulier qui ne se divise plus. Et en fait, c'est en ça que l'être singulier, il est justifié de l'appeler individu, parce qu'on y arrive au terme d'une suite de divisions. Mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout parti de cet être singulier, au contraire, on est parti de la totalité, et puis à l'intérieur de la totalité, on a fait des distinctions successives, et à force de distinctions, on est arrivé au terme où on est obligé d'arrêter les divisions, parce que ça ne se divise plus. Et donc c'est pour ça que l'être singulier auquel on arrive, on l'appelle l'individu. De ce point de vue-là, c'est tout à fait cohérent.
Mais à partir du XVIIe siècle, il va se produire un événement absolument extraordinaire, c'est que l'individu qui était le terme d'une suite de divisions, on va retourner le processus et on va dire c'est ça qui est au départ, et en fait les totalités, qu'est-ce que c'est? Ça n'est jamais rien d'autre que le rassemblement des individus. Mais le fait même qu'on parle d'individus est le témoignage dans notre langue que anciennement on ne pensait pas en ces termes, on pensait d'abord à la totalité, et c'était, l'individu n'existait qu'en tant que membre de la totalité. Avec la modernité, on va retourner la chose, on va dire les totalités, ça n'est rien d'autre que des rassemblements d'individus. La formule que j'aime bien pour synthétiser ce retournement, c'est que autrefois je était le singulier de nous, alors que désormais nous est le pluriel de je. Entre les deux personnes du singulier et du pluriel, si vous voulez, auparavant c'était la personne du pluriel qui venait avant et on se singularisait à l'intérieur de ce groupe, alors que désormais les groupes sont conçus comme des rassemblements d'individus qui leur préexistent. Alors, ce nouveau statut de l'être humain, qui n'existe plus a priori comme membre d'un groupe, mais comme une entité singulière, autonome, et c'est le rassemblement de ces singularités qui va faire le groupe, ça a été de pair avec un bouleversement donc dans la manière de penser la vie collective. La vie collective n'est pas ce qui vient en premier, mais au contraire ce qui va venir en second, par rapport à la vie individuelle. Et c'est ce nouveau type de collectivité qui va prendre le nom de société. Alors, société, c'est encore un mot d'origine latine, qui vient de societas en latin. Alors, en latin, le mot societas avait un spectre sémantique qui était extrêmement large. Mais le terme désignait essentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. C'est le sens qu'a gardé le terme dans le domaine économique, si vous voulez, quand on parle de société commerciale dans le droit des affaires, une société, des gens qui se mettent ensemble parce qu'ils l'ont décidé et pour en retirer un certain nombre de bénéfices. En latin, d'ailleurs, chez les Romains, en 90 avant Jésus-Christ, ce que les Romains ont appelé la sociale bellum, qu'on pourrait traduire littéralement par guerre sociale. Alors nous, quand on pense à guerre sociale, on va dire que c'était une guerre civile, pas du tout. C'était une guerre entre Rome et les cités qui étaient alliées avec Rome. Et donc vous voyez que la guerre sociale, c'était quelque chose qui touchait à des sortes d'alliances qu'il y avait entre Rome et d'autres cités. Et les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait encore au terme société sont tout à fait dans cette lignée. J'ai trouvé dans le dictionnaire de Richelet, qui est un des premiers dictionnaires français qui a été édité en 1680, société, deux points, contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Dans le dictionnaire de Furtière, 1690, assemblée de plusieurs hommes en un lieu pour s'entre-secourir dans les besoins. Les hommes se sont mis en société pour vivre plus commodément et plus poliment. Et vous voyez, en fait, ils se sont mis en société parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils en attendaient des bénéfices. Alors là encore, moi je me suis dit, oui, mais attention, est-ce que peut-être qu'il n'y a que les Français qui pensent comme ça? Pas du tout, j'ai été vérifié dans les dictionnaires européens, c'est la même chose. Je vous cite le dictionnaire, un très célèbre dictionnaire anglais de Samuel Johnson au XVIIIe siècle, « Society, union of many in one general interest ». Donc l'union d'un grand nombre d'individus autour d'un intérêt commun. Mais donc on voit bien que dans toutes ces définitions de la société, les gens qui rentrent dans la société préexistent à la société et c'est eux qui décident de former la société. On voit donc que la société ne désigne pas les formations humaines en général, mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but. Et on comprend alors pourquoi le mot société va avoir une telle fortune à partir du XVIIe siècle. Parce que concevoir le monde humain comme une société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, c'est eux qui constituent la société
parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices. Et de ce point de vue-là, on peut se rendre compte que la locution contrat social, d'une certaine manière, est presque pléonastique, puisque dans cette définition de la société, finalement, la société n'existe que par une forme de contrat. Et c'est ce qu'a parfaitement résumé Ferdinand Tönnies, grand sociologue allemand s'il en est, fin 19e, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gemeinschaft und Gesellschaft », traduit en français par « Communauté et société ». Et Ferdinand Tönnies dit que l'événement majeur qui s'est produit au cours de la modernité en Europe, c'est le passage de la vie communautaire, une forme de vie communautaire, à une forme de vie sociale. Dans la forme de vie communautaire, c'est la communauté qui est première et on existe en tant qu'individu, en tant que membre de la communauté. Dans la forme de vie sociale, en fait, ce sont les individus qui sont conçus comme l'entité première, et la société, ça n'est rien d'autre que ce que forme la réunion des individus. Ferdinand Tönnies a une formule que je trouve extraordinaire. Il dit, d'après la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et habitent paisiblement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont bien plutôt essentiellement séparés. Et alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les relie. Fin de citation. On retrouve sous une autre forme ce que j'avais essayé de dire avec la préséance du « nous » sur le « je » ou du « je » sur le « nous ». Dans les deux cas, il y a du « je » et il y a du « nous », mais l'ordre entre le « je » et le « nous » est inversé. Donc la société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus séparés et ne les unit qu'en tant qu'individus séparés. Et la fortune extraordinaire du mot « société » à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération. Et alors là, on voit que la statistique, bon, il y avait déjà sous l'Ancien Régime des ministres éclairés qui, pour avoir une gestion la plus efficace possible des populations et des territoires, avaient envie d'avoir des statistiques. Mais en fait, sous l'Ancien Régime, les statistiques, c'était très difficile à mettre en œuvre, non seulement parce qu'il y avait l'administration qui, collecter toutes les informations nécessaires, était encore embryonnaire. Mais surtout, en fait, l'esprit statistique était complètement antithétique avec l'esprit d'Ancien Régime, où dans l'Ancien Régime, ce qui est premier, ce sont les communautés. Et donc, en fait, la statistique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de donner une idée du tout en additionnant des réalités individuelles. Donc, ça voulait dire que sous l'Ancien Régime, c'était vraiment un attentat contre l'ordre communautaire qui était encore régnant, puisqu'il fallait, si vous voulez, traverser les communautés pour aller jusque aux individus pour récolter des données individuelles. Bon. En revanche, ce qui va se passer au 19e siècle dans les grandes sociétés d'individus, au contraire, la statistique, là, elle devient l'instrument d'appréhension de l'ensemble, qui est adapté à la mentalité qui veut que ce qui est premier, ce sont les individus, et que le tout, ça n'est rien d'autre que la réunion des individus. Ben, comment décrire un tout qui est simplement une réunion d'individus? Ben, simplement en faisant de la statistique. Simplement, on prend les réalités de chaque individu, on les additionne, et puis ça donne la société. Et en fait, donc, ce qui va se passer, c'est que la révolution politique en France, de ce point de vue-là, va être une libération pour l'esprit statistique. Parce que autant sous l'Ancien Régime, encore une fois, il ne manquait pas d'administrateurs qui auraient bien aimé, qui étaient déjà dans une mentalité moderne et qui auraient bien aimé faire des statistiques, mais qui étaient toujours freinés par le fait que la statistique venait heurter l'esprit d'Ancien Régime. Autant avec la Révolution, là, toutes les barrières tombent et au contraire, la statistique s'impose comme étant ce qu'il faut faire pour appréhender la nouvelle société. Et la Révolution française a particulièrement insisté sur le fait qu'il fallait absolument qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre d'un côté l'État, de l'autre côté les individus. Ce qui est emblématique de ça, c'est la loi Le Chapelier, hein, qui interdit les rassemblements d'ouvriers, toutes les corporations, pour que précisément il n'y ait que les individus réduits justement à leur état de singularité et de l'autre côté l'État. Mais dans ce cas-là, ben précisément, comment l'État va appréhender l'ensemble de la société? Ben justement, en additionnant les réalités individuelles, donc en faisant de la statistique. Alors là, je parle de la Révolution française.
pourrait dire que c'est un phénomène spécifiquement français. Non, c'est la manière dont ça s'est passé en France, mais en fait, la Révolution française, elle s'est produite d'une certaine manière dans tous les pays européens, alors souvent de manière moins dramatique, moins spectaculaire. Mais enfin, malgré tout, si vous voulez, c'est en France, ça a été particulièrement violent. Dans tous les autres pays européens, quelque chose de similaire s'est produit. Et donc la Révolution va brusquement faire voler en éclats toutes les anciennes communautés qui étaient déjà assez vacillantes. On va, si vous pensez au fait qu'on démantèle les anciennes provinces pour leur substituer les départements, ça rentre tout à fait dans cette lignée-là. Et vous savez que le découpage des départements a été revu à plusieurs reprises, parce qu'en réalité, et c'est pour ça aussi qu'en France, les départements peuvent avoir des tailles très variables, parce que ce qui était la base pour le département, ce n'était pas seulement une question d'étendue territoriale, mais il fallait que les départements aient tous à peu près la même population. Et donc on voit qu'il y a déjà même une notion statistique dans l'idée de département. Alors qu'évidemment, pour les anciennes provinces, ce n'était absolument pas ça. Les provinces, elles étaient ce qu'elles étaient. Et puis, autre événement contemporain qui va également contribuer de manière très forte dans tous les pays européens, progressivement à dynamiter toutes les structures communautaires, c'est une autre révolution qui est la révolution industrielle. Alors si la révolution politique, disons qu'elle a été particulièrement spectaculaire en France, la révolution industrielle, elle a été particulièrement spectaculaire en Angleterre. Et puis à partir de l'Angleterre, elle a ensuite traversé la Manche et elle s'est répandue sur tout le continent. Et la révolution industrielle a également été un grand facteur qui a amené le démantèlement de toutes les anciennes communautés pour finalement en extraire les individus qui vont former les masses prolétariennes, qui vont aller s'entasser dans les grandes villes qui se multiplient au cours du XIXe siècle. Alors, la statistique, et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi c'est au XIXe siècle que la statistique prend autant d'importance, eh bien c'est parce que c'est au XIXe siècle que s'accomplit de manière vraiment très, très importante ce passage de l'ancienne vie communautaire à la nouvelle vie sociale, l'avènement de ces grandes sociétés d'individus, où le tout n'est plus conçu que comme la somme de ces parties, comme simplement une réunion d'individus. Alors, on s'est mis à faire d'autant plus de statistiques que la perplexité était extrêmement grande devant ces objets tout à fait inédits et mystérieux, enfantés par les révolutions industrielles et politiques, qu'étaient ces grandes sociétés d'individus. C'est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire. La manière que nous avons de vivre les uns avec les autres, c'est quelque chose qui, en fait, est très neuf dans l'histoire humaine. Alors, en Europe occidentale, en gros, ça a 2 siècles. C'est au début du XIXe siècle que se mettent en place progressivement ces grandes sociétés d'individus. Mais ça, c'est un mode de vie, justement, qui est tout à fait sans précédent, tout à fait unique dans l'histoire. Et là, les êtres humains se sont peuplant ces grandes sociétés d'individus. Donc, tout d'un coup, ils se sont retrouvés à vivre dans des mondes dont ils n'avaient absolument pas l'expérience, qu'ils ne comprenaient absolument plus. Et là, la statistique va aussi se développer comme étant un instrument pour renseigner les êtres humains sur ces choses bizarres qui n'avaient jamais existé auparavant, que sont les grandes sociétés d'individus. En fait, la question de la société s'est affirmé comme le problème tout à la fois philosophique et pratique central, le plus important du XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle, on pourrait dire, de la société. Et c'est pour ça que c'est aussi le siècle de la statistique, parce que ce mode de vie en société et statistique vont de pair. La statistique s'est développée comme moyen d'ausculter, de sonder, d'explorer, d'apprivoiser, de gouverner ces nouveaux types de sociétés en mouvement permanent et travailler de forces aussi puissantes que difficiles à cerner. Alors, la chronologie et l'ampleur diffèrent un peu selon les pays, mais le mouvement a été général en Europe et a connu, comme je vous l'ai dit, une accélération absolument décisive dans les années 1830-1850. Dans l'ouvrage que le grand statisticien et économiste danois Harald Westergaard a consacré à l'histoire de la statistique,
Le chapitre consacré aux 20 ans entre 1830 et 1850 s'appelle « L'ère de l'enthousiasme ». Et Louis Chevalier, qui a écrit un livre extraordinaire, qui est vraiment devenu un grand classique, qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse », parle dans ce livre de mentalité statistique, d'impérialisme statistique, de torrent statistique, d'entreprise statistique ayant les dimensions d'une cosmogonie. Tout ça, c'est des mots que j'ai tirés de Louis Chevalier. Alors, on a eu des statistiques absolument de tous ordres, démographiques, industrielles, commerciales, agricoles, médicales, sanitaires, morales, scolaires, criminelles, biométriques, assurantielles. Tout ça, ça se développe au 19e siècle. La biométrie aussi se développe dans la première moitié du 19e siècle. Une des grandes figures de la biométrie dans la première moitié du 19e siècle, c'est Adolphe Kettler, un savant belge, qui s'est mis à mesurer les hommes dans tous les sens. Et par exemple, c'est lui qui a inventé l'indice de masse corporelle, qui angoisse beaucoup de gens aujourd'hui. C'est 1830, hein, l'indice de masse corporelle. Et en fait, il a inventé ça, et puis assez vite, ça a pris une grande importance, parce que les compagnies d'assurance se sont rendues compte, grâce à des statistiques, qu'il y avait une corrélation entre l'indice de masse corporelle et l'espérance de vie. Et donc, évidemment, du coup, ça prend une importance économique et que ça a toujours aujourd'hui. Alors, les renseignements donnés par la statistique étaient d'autant plus désirés et prisés que l'objet social, comme je vous l'ai dit, était inédit et mystérieux. Mais en plus, j'ai cité le livre de Louis Chevalier, « Classe laborieuse, classe dangereuse », cet objet social, au XIXe siècle, était particulièrement convulsif et dangereux, en proie à un mal aussi profond que redoutable, qui a reçu un nom au XIXe siècle, qui était la question sociale. Alors, question sociale en français, social problem en anglais, soziale Frage en allemand. On voit que l'expression aussi, qui est apparue dans les années 1830, avait son équivalent partout en Europe. Et la question sociale était d'autant plus taraudante au XIXe siècle que dans l'ambiance optimiste du XVIIIe siècle, on imaginait que certes, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais pourquoi les choses n'allaient pas? Parce que la société était très mal organisée, il y avait des rois, il y avait des aristocrates et tout ça. Donc une fois qu'on aurait liquidé les rois et les aristocrates, en fait, tous les problèmes seraient réglés. Et puis bon, on supprime les rois et les aristocrates, et puis les problèmes, en fait, changent de nature, mais ils sont toujours là et extrêmement massif. Et en particulier, il y a quelque chose qui va angoisser le 19e siècle au plus haut point, qui va recevoir même un nom spécial, qui est inventé en 1815 en Angleterre, qui est le paupérisme. Le paupérisme, voilà, qui apparaît au 19e siècle et qui va vraiment être un chancre au flanc du 19e siècle, parce que le 19e siècle, qui était là à chanter le progrès, la libération de l'être humain, etc., et puis finalement, il engendrait, en même temps que beaucoup de produits, beaucoup de richesses, il engendrait cette chose terrible qu'était le paupérisme. Et le paupérisme va être du coup la source d'innombrables enquêtes statistiques pour essayer de comprendre la situation de ces masses paupérisées et ses comportements, et puis essayer de trouver des méthodes pour se garantir contre d'éventuelles révolutions. Alors, pour ne pas être trop long, non, je vais aller extrêmement rapidement, je n'ai pas le temps d'évoquer une question qui est extrêmement importante, qui est le lien entre les statistiques et l'apparition des sciences sociales au XIXe siècle. Les statistiques vont jouer un rôle extrêmement important l'apparition des sciences sociales, mais si on se lançait sur ce chapitre, ce serait beaucoup trop long. Et pour terminer, je voudrais juste évoquer un chapitre qui est quand même, je trouve, très intéressant. C'est la manière dont la statistique, qui s'est donc développée dans le champ social, va ensuite passer dans le champ des sciences de la nature. Et puis une fois qu'elle sera rentrée dans les sciences de la nature, un certain nombre de mathématiciens s'y intéresseront, formaliseront la chose, et ensuite cette statistique formalisée reviendra vers la société. Mais au XIXe siècle, encore une fois, la statistique, ce n'est pas une méthode scientifique qui s'applique à la société, c'est une méthode d'investigation du social qui ensuite va passer dans les sciences de la nature. Alors comment ça va passer dans les sciences de la nature? Une des voies par lesquelles ça s'opère, c'est la théorie darwinienne et les théories de l'hérédité.
Bon, vous savez que Darwin, 1859, l'origine des espèces, donc il décrit le fait que les espèces évoluent. Comment ? En fait, parce que à l'intérieur, les espèces ne forment pas des touts homogènes, mais en fait sont formées d'individus. Et là, on voit que le darwinisme, en réalité, n'était pas pensable avant le 19e siècle, parce qu'il fallait que les humains se conçoivent eux-mêmes comme des individus vivant en société, pour que ensuite les biologistes puissent concevoir les espèces animales comme non pas des si vous voulez, on considère les animaux non pas comme des représentants de leur espèce, mais comme des individus à part entière. Et qu'est-ce que c'est que l'espèce ? Ça n'est qu'un groupe de ces individus. Et donc, en fait, la théorie darwinienne, en fait, elle est tout à fait solidaire de ce changement du passage de la vie communautaire à la vie sociale. Le darwinisme n'est pensable que dans ce cadre-là. Et alors, en fait, parmi ces individus, Darwin dit, ils ne sont pas tous identiques. Il y en a certains qui ont des caractères différents des autres, et certains caractères vont être des avantages pour les uns ou des désavantages pour les autres. Et ceux qui ont des avantages, en fait, ils vont avoir une descendance plus nombreuse que les autres, ce qui fait qu'à la génération suivante, le caractère dont ils étaient porteurs va être davantage présent que à la génération antérieure. Et puis petit à petit, justement, les espèces vont évoluer à cause de ces différences, des différences entre les individus. Donc ça veut dire que le darwinisme, si on veut vraiment lui donner un contenu scientifique solide, eh bien il faut s'interroger sur, il faut essayer de quantifier les différences entre les individus, et puis par ailleurs il faut essayer de quantifier dans quelle mesure les parents transmettent leur caractère à leurs enfants. Parce que ça c'est une expérience que tout le monde fait, c'est que d'un côté les enfants ressemblent à leurs parents, donc il y a bien de la transmission des parents aux enfants, mais en même temps, les enfants sont différents de leurs parents, et donc, en fait, ce n'est pas des copies conformes. Donc, dans quelle mesure les descendants ressemblent à leurs parents, et dans quelle mesure ils en diffèrent. Et pour vraiment donner un contenu vraiment sérieux à la théorie darwinienne, bien, des gens se sont dit, il faut essayer de quantifier ces choses. Alors, celui qui s'est vraiment lancé à la tâche, c'était un cousin de Darwin, qui était plus jeune que lui, qui s'appelait Galton. Il y a eu une importance au XIXe siècle absolument considérable. Et donc, lui, il a essayé d'étudier de manière quantifiée les phénomènes d'hérédité. Alors, par exemple, il a pris un caractère très simple qui est celui de la taille. Alors, il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la taille des parents et la taille des enfants. Mais évidemment, les enfants n'ont pas la même taille que leurs parents. En fait, des parents grands, ils auront tendance à avoir des enfants assez grands, et les parents tout petits, ils auront tendance à avoir des enfants petits. Mais enfin, bon, c'est plus compliqué que ça. Et justement, il a essayé de quantifier ça. Et donc, en fait, il s'est rendu compte que si on prenait des parents d'une certaine taille, eh bien, en fait, leurs enfants, la taille de leurs enfants, si on prend des grandes masses statistiques, justement, ça va faire une belle courbe en cloche qu'on appelle courbe normale ou courbe de Gauss, dont la moyenne, en fait, n'est pas égale à la taille des parents, mais elle est centrée sur un nombre qui est égal à, qui est déterminé pour un tiers par la taille du père, un tiers pour la taille de la mère, et un tiers pour la taille de la race. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des parents très grands, ils vont avoir tendance à avoir des enfants qui sont plus grands que la moyenne, mais qui, malgré tout, en moyenne, ils auront tendance à aller vers la moyenne. Puisque, en fait, on fait la somme, on prend la taille du père, la taille de la mère et la moyenne de la taille de la race. Alors, dans le vocabulaire génétique du XXe siècle, on comprend ça, c'est qu'en fait, les parents, ils ont un patrimoine génétique et ils n'en transmettent qu'une partie à leurs enfants. Enfin, pardon, les parents, ils ont un patrimoine génétique, mais ils ont un génotype et ce qu'ils expriment, c'est un phénotype. Mais tous les gènes ne sont pas exprimés. Donc en fait, si vous voulez, quand on regarde les enfants, évidemment, ils vont recevoir leur génotype de leurs parents, mais ce qu'ils vont recevoir, des gènes qu'ils vont recevoir de leurs parents, il y a des gènes qui étaient exprimés chez leurs parents et des gènes qui n'étaient pas exprimés chez leurs parents. Et ces gènes qui n'étaient pas exprimés par leurs parents, en moyenne, ils vont correspondre à la moyenne de la race. Et donc c'est pour ça qu'en général, les gens très très grands vont avoir des enfants grands, mais un peu moins grands, en moyenne. Voilà. Et c'est le phénomène que Galton a appelé la régression vers la moyenne.
qui est un terme qui est toujours utilisé en statistique. Puis alors après, Galton a généralisé ça parce qu'il a dit, bon, ça marche pour la taille, mais ça doit marcher pour, tous les, pour toutes les qualités. Et donc, il a créé une qualité qu'il appelait la civic worth, la valeur civique ou la valeur sociale, si vous voulez. Et puis, il s'est inquiété parce qu'il s'est rendu compte que les gens qui avaient une faible valeur sociale avaient beaucoup plus d'enfants que les gens qui avaient une grande valeur sociale. Et donc il s'est dit, oh là là, la population anglaise court à la décadence, et ça a été les débuts de l'eugénisme. Et en fait, l'eugénisme est un grand courant qui prend naissance en Angleterre au 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle, et qui est un courant qui est entièrement ancré dans la statistique, sur des analyses statistiques. Et c'est comme ça que la statistique est entrée en biologie. Et puis une fois qu'elle est entrée en biologie, eh bien, en fait, des mathématiciens vont essayer de donner un cadre mathématique propre à ces histoires-là, et c'est comme ça que c'est devenu une discipline mathématique. Puis je termine là-dessus, c'est entré également en physique, à partir du moment où les physiciens ont pris au sérieux l'hypothèse atomiste et en disant que la matière était formée de corpuscules microscopiques. Bon, quand on a commencé à vouloir évaluer le nombre de particules microscopiques qu'il y avait dans la matière, on s'est rendu compte, par exemple, que dans un litre de gaz, à la pression ordinaire, en gros, il y a 10 puissance 23 molécules. 10 puissance 23, ça fait 10 000 milliards de milliards. Ça fait beaucoup. Donc, en fait, si on veut essayer de comprendre les propriétés du gaz à partir des propriétés des corpuscules qui les composent et de leurs interactions, bah évidemment, comme il est hors de question de suivre la trajectoire de 10 puissance 23 particules, bah la seule chose qu'on puisse faire, c'est de la physique statistique. C'est comme ça que se constitue aussi, à la fin du 19e siècle, une nouvelle branche qui est extrêmement dynamique encore aujourd'hui, qui est la physique statistique. Et en fait, c'est à partir du moment où la statistique joue un rôle en physique et en biologie, que ça va devenir ensuite une discipline mathématique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le plus grand physicien du 19e siècle, Maxwell, c'est lui qui va introduire vraiment les méthodes statistiques en physique. Et quand il présente ses résultats devant la British Association, ses collègues physiciens, en fait, il doit justifier l'utilisation de la statistique en physique. Et en fait, les physiciens, ils ne voulaient pas entendre parler de statistique parce qu'ils disaient, oh là là, c'est un truc humain, trop humain. C'est très amusant, c'est que justement aujourd'hui on va avoir tendance à penser que la statistique c'est un truc scientifique. Au 19e siècle, les physiciens ne voulaient pas entendre parler de statistique parce que pour eux c'était un truc sale, quoi. C'était un truc, eux ils voulaient des choses vraiment beaucoup plus sûres, beaucoup plus vraiment les calculs étaient tombés justes, avaient une validité absolue. Et Maxwell, pour justifier l'usage de la statistique qu'il fait, parce que lui, il a compris que c'était important, en fait, tous les exemples qu'il donne à ses collègues physiciens, c'est justement la manière dont ceux qui étudient la société sont obligés de recourir à la statistique parce qu'ils ne peuvent pas suivre chaque individu à la trace et reconstituer la société à partir de chaque individu considéré dans son entièreté. Donc ils sont obligés d'en abstraire un certain nombre de données pour faire des tableaux statistiques. Et donc on voit très bien en étudiant cela que la statistique, ça commence dans le social et c'est seulement ensuite que ça devient, scientifique. Et si je devais terminer par quelques dernières remarques. Je dirais que la statistique, elle a plus le vent en poupe que jamais. J'ai relevé que sur le site careercast.com, un site américain qui établit chaque année un classement des professions en fonction de différents critères dont les chances de recrutement, les revenus et les perspectives de carrière, mais en tête du palmarès 2016, on trouve data scientist, littéralement scientifique des données, et puis en deuxième rang celui de statisticien. Et le site commente la demande élevée en data scientist et statisticien vient de l'importance croissante accordée à la collecte et à l'évaluation de quantités massives de données. Donc en fait on voit que ce règne de la statistique qui a commencé au 19e siècle apparemment il ne fait que croître et
que croître et embellir. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait s'en libérer? En fait, vous voyez que si on voulait vraiment se libérer de la statistique, du moins desserrer son emprise, eh bien, en fait, si vous voulez, l'entreprise est compliquée. Je me rappelle toujours de la phrase de Bossuet, hein, qui dit que le ciel se rit des prières qu'on lui adresse pour nous délivrer de mots dont on continue d'entretenir les causes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah voilà, les statistiques, c'est épouvantable, etc. » Mais pourquoi? Parce qu'ils voient la statistique comme quelque chose qui les opprime en tant qu'individus, qui les ignore en tant qu'individus. Et donc, ils se trouvent mal reconnus par la statistique dans leur singularité. Mais ils ne se voient pas que c'est la volonté de chacun d'être reconnu absolument dans sa singularité, indépendamment du groupe auquel il appartient, qui précisément nous plonge dans ce mode de vie sociale qui fait qu'on ne peut appréhender le monde que tous ensemble nous formons que par la statistique. Et donc en fait, c'est les revendications de chacun d'être considéré dans toute sa singularité qui entraînent le règne de la statistique. En fait, dans une forme de vie communautaire, en revanche, la statistique n'a absolument aucune place. Mais en fait, à ce moment-là, on voit que, si vous voulez, on ne peut pas imaginer que la vie que nous menons aujourd'hui, elle pourrait continuer identique à peu près à ce qu'elle est, sans les statistiques. Non. La statistique est inhérente à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Et donc ça veut dire que si on veut, éventuellement, si on considère que la statistique prend beaucoup trop de place et qu'on veut faire diminuer sa place, il faut tout changer. Ça implique des bouleversements absolument extraordinaires. Et en particulier, de baisser en échelle. C'est-à-dire que, en fait, la forme de vie communautaire, pourquoi elle a explosé aussi? Parce que la forme de vie communautaire, elle n'est possible que dans des tailles limitées. Si une communauté, vous la faites trop grossir, en fait, eh bien, elle explose et elle libère, justement, des millions d'individus qui, ensuite, vont former société. Et c'est en ça qu'il y a un lien entre le travail que j'avais fait auparavant sur les questions de taille et celui-là sur la statistique, parce qu'en fait, la statistique est aussi, vous voulez, liée au fait que nous vivons à des échelles qui sont tellement grandes que précisément les formes de vie communautaire ne sont absolument plus adaptées. Donc on est forcé aussi, à cause de ces échelles, de vivre dans des formes de vie sociale, et les formes de vie sociale impliquent le règne de la statistique. Et donc en fait, c'est pour ça que voilà, les changements seraient extrêmement grands. Ils sont tellement grands que finalement, on peut dire que nous sommes totalement impuissants à les produire. On est une sorte de processus comme ça qui nous emporte. Et finalement, la seule chose qui nous libérera à terme du règne de la statistique, c'est que finalement, ces grandes sociétés d'individus vont s'effondrer. Et à partir du moment où elles vont s'effondrer, eh bien justement, ça recréera la possibilité et même l'obligation, à vrai dire, de reformer des communautés à taille plus réduite, où précisément le type de rapport entre les êtres humains à l'intérieur de ces entités de taille plus réduite, justement, font que les statistiques ne sont plus à leur place. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Merci. Merci. Question, Jacques. Moi, je me pose une petite question de savoir si finalement on ne pouvait pas même aller un petit peu plus loin dans le raisonnement.